À partir de là, le gestionnaire du canal va, à chaque canal secondaire, décider de la quantité d'eau, qu'il laisse dans le canal secondaire à l'usage donc des joueurs qui ont un terrain desservi par ce canal secondaire et fait progressivement donc avancer son gobelet. Ici, il va desservir la station de pompage, puis également le canal secondaire et etc. etc. jusqu'à la fin, donc jusqu'à la sortie du jeu, donc du plateau, en laissant donc positionner le gobelet à cet endroit. Hein, nous verrons donc en fait ensuite quel est l'impact sur la zone naturelle en fonction du contenu en billes à l'exutoire du canal principal.